Le compliment qui te touche. J'adore quand quelqu'un me dit, franchement, t'es trop intelligente, t'es pas juste belle. Ça me touche. Franchement, les mecs, si vous voulez me draguer, dites-moi ça. Quand les gens, ils parlent avec toi, ils prennent pas le temps de parler avec toi parce qu'ils veulent découvrir si t'es intelligente ou pas, tu vois. Ils restent sur la surface. De nos jours, c'est que ça. Ah, elle est bien foutue, elle est trop mignonne, mais... Et derrière, en fait, est-ce qu'on peut avoir une conversation importante? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de profond, en fait? Excusez-moi. Oui. Quoi? Je voulais juste te dire que je trouve ça très intelligent. Oh, mais c'est... Oh, mais franchement, c'est trop mignon. Mais lui, non, mais je veux repartir avec toi après demain. Nicolas ne finira pas seul ce soir. C'est n'importe quoi, cette émission. Nous avons le réalisateur qui prend la parole. Mais j'ai adoré. T'as bien aimé. J'ai adoré. Est-ce que tu dis « je t'aime » facilement? Non. Est-ce que tu dis « je t'aime » oui. D'accord, je l'ai quand même dit deux fois. Voilà, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Je l'ai quand même... Bon, enfin, si on parle de relations amoureuses. Oui. Hein. Oui. Mais sinon, à mes parents, à mon fils, ça, c'est ma chanson, c'est une chorale. Mais à un mec... Deux fois. Et donc, quand tu le dis, c'est puissant, quoi. Ouais, c'est puissant. Le gars peut jouer au loto. Voilà. Mais toi, tu es bien, tu connais. Voilà. C'est que je le dis, mais du fond, c'est dans les entrailles que ça sort. Voilà, parce que j'estime que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, en fait. Et vous, est-ce que vous dites « je t'aime » facilement? Dites-le dans les commentaires. Si tu étais le sexe opposé pendant 24 heures... Parce que franchement, je trouve que vous avez du potentiel, mais que vous le gâchez, mais comme jamais. Waouh, c'est parti en règlement de compte. Je pense que j'allais essayer de réussir à faire deux choses à la fois, parce que vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire deux choses à la fois, c'est vrai, vous les mecs. Quand je fais quelque chose et qu'on me parle, je ne peux pas faire deux trucs en même temps, je ne suis pas comme ça. Je vais essayer de le faire pour vous. De faire qu'une chose. Non, de faire deux choses à la fois. Parce que nous, on a la capacité de le faire, mais pas vous. Tu vois qu'il n'est pas d'accord. Hein. Bah oui. Parce que je n'ai pas compris en même temps, je réfléchissais à la prochaine question. Tu peux pas faire deux choses en même temps. La démonstration. Non, j'allais pas essayer de draguer des meufs et tout, non. C'est trop basique, ça. Oui. Et vous aussi, dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pendant 24 heures si vous êtes le sexe opposé?